qui Kume Sublime. Alors aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions les plus fréquentes sur la gamme Candace. Est-ce qu'elle peut éclaircir la peau? Est-ce qu'elle est dangereuse pour la peau? Quelle est sa composition? Je vous dis tout dans cette vidéo. Mais déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous serez prévenu à chaque fois que je publie une vidéo. Ah, et j'ai bien retenu que vous trouvez que je parle trop vite dans les vidéos. Je vais essayer de parler un peu plus lentement, promis. Il y a le bruit de l'église. Bon, je vais tout fermer parce que là, c'est pas possible. Avant de commencer, je tenais à vous annoncer que mon huile réparatrice est à nouveau disponible sur le marché. En fait, le souci, c'est que je voulais faire des bouteilles un peu plus petites aussi parce que là, on avait des bouteilles de 12 000 francs qui sont très grandes, qui font la taille de ma tête. Et là, on est passé aussi aux bouteilles plus petites qui sont à 5 000 francs CFA. Donc, vous pouvez les commander au Cameroun, au Tchad et au Gabon pour l'instant. Ce sont les trois pays que j'arrive à livrer pour l'instant. Et en fait, ce sont des huiles qui permettent non seulement d'unifier la peau, de réparer la peau. En fait, elles ciblent surtout les personnes qui viennent d'arrêter des produits blanchissants, en fait. Parce que moi-même, je suis passée par là. Et c'est cette huile-là qui m'a aidée justement à atteindre ce résultat-là sur ma peau, avec les gommages aussi. Donc, voilà. La première chose à savoir sur la marque Candace, c'est qu'il existe deux sortes de Candace. Il y a le Candace vendu en France et le Candace vendu en Afrique. Si vous avez même remarqué, les étuis, les emballages sont différents en fait. Et moi, j'ai testé les deux par le passé. J'avais même parlé de la marque Candace française parce que je l'avais testée il y a 5 ou 6 ans. Et j'en avais parlé en détail de toute la gamme, de sa composition et tout sur mon blog qui a été supprimé à cause des signalements. Ça m'a fait hyper mal. Mon blog aurait eu 10 ans cette année. Non, il aurait eu 11 ans cette année, voilà. Et il a été supprimé. Donc, au pire, je vous ferai peut-être un avis rapide sur la gamme Candace France. Parce que ça me saoule de penser que mon blog a été supprimé. Mais là, en fait, dans cette vidéo, on va parler de la gamme Candace Afrique. Parce que c'est cette gamme-là qu'on trouve maintenant plus facilement en Afrique, en fait. Et ensuite, je vous ferai une mini vidéo où je vous parlerai des deux gammes, la gamme africaine, la gamme vendue en Afrique et la gamme vendue en Europe. Comme ça, même les personnes qui sont en Europe sauront à quoi s'attendre s'ils tombent sur cette gamme-là. Donc, moi, je vais vous parler plus de la gamme Candace Afrique parce que je l'ai testée là il y a récemment et je vais vous donner mon avis sur. Je ne vais pas vous parler de toute la gamme. Moi, ce que j'ai testé, c'est le sérum, la crème, l'huile et le savon gommant. Donc, je vais vous donner mon avis là-dessus. Et c'est tout. Par contre, je n'ai pas gardé les emballages parce que je teste tellement de produits qu'après, quand ça finit, je jette les emballages. Ça me saoule. Je n'ai pas pensé à faire les photos des emballages. Je suis vraiment désolée. Donc, je vais vous mettre les photos qui sont sur leur site, en fait. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai retenu en testant la gamme de Candace? Déjà, quand j'ai commencé avec la crème, je n'ai vu aucun résultat sur mes taches, en fait. J'ai testé la crème pendant un mois. Ça m'a saoulée. En fait, moi, je me suis dit que comme il y avait l'arbutine dedans, les taches devaient vite s'estomper. Je n'ai pas vu ça. Donc, finalement, je suis passée à l'huile. Donc, j'ai pris l'huile parce que j'ai d'abord commencé par la crème seule. J'ai pas vu. Par contre, j'ai vu des résultats sur l'éclat. Ma peau commençait à être éclatante. Mais je n'ai pas vu de résultats sur les taches. Alors que la glycérol en temps normal, ça permet d'estomper les taches. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai finalement pris l'huile, le savon et le sérum. Et là, maintenant, j'ai constaté justement que les taches commençaient à s'estomper. Donc, ce que je peux retenir de l'utilisation de cette gamme, et cette gamme pendant près de 3 mois, c'est qu'elle estompe lentement les taches, mais elle arrive à les estomper. Elle rend la peau éclatante. Mais en fait, pour avoir vraiment des effets sur l'éclat de la peau, il vaut mieux prendre l'huile et le savon. Et pour voir vraiment des effets rapides sur les taches, il vaut mieux prendre le sérum. Parce qu'en fait, ce que moi je faisais, c'est que comme je voulais surtout estomper certaines taches que j'avais sur les jambes, j'appliquais le sérum pur sur les jambes, en fait, sur les parties où il y avait les taches. Et franchement, ça les a bien estompées. Ce sérum aussi permet d'estomper les taches causées par l'acné. Si vous avez du sur le visage, en tout cas, ça passe très bien aussi. Je l'avais testé sur mon visage et ça a réussi à bien estomper mes taches d'allergie, en fait. Oui, mes taches allergiques, parce que j'avais fait une allergie encore à un cosmétique. Je sais, j'en fais tout le temps des allergies, c'est ça les risques du métier. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette marque? En fait, déjà, elle n'est pas dangereuse pour la peau. Elle permet d'estomper les taches, mais lentement,
mais elle les estompe. C'est-à-dire que si certaines gammes vont vous estomper peut-être les tâches en 3 semaines, celle-là, elle va prendre un peu plus de temps. Ça peut aller de 5 à 6 semaines pour voir vraiment que la tâche a disparu. Et aussi, elle hydrate bien la peau. Franchement, je n'ai pas eu d'irritation, je n'ai pas eu de peau qui picote et tout. Elle était bien, je n'ai pas eu de problème là-dessus. Normalement, au début, j'avais un peu peur que, vu que c'est Candace Afrique et qu'il y a la Busserolle dedans, je me suis dit, c'est ceux qui vont mettre sûrement la Busserolle à 10% ou 15% à l'intérieur. Mais non, vu comment ça agit sur ma peau, ça agit lentement sur ma peau, je ne pense pas qu'ils aient hyper dosé ça. Parce que sinon, ma peau me l'aurait montré. Ma peau, elle prend très vite les produits blanchissants. Donc ça, non. Et aussi, une chose que j'ai failli oublier de vous dire, c'est qu'elle a réussi à bien unifier mes coudes et mes genoux. Elle a bien réussi à faire ça. C'est vrai que ça a pris un peu plus de temps, mais elle a réussi à le faire. Donc, je dirais qu'elle n'est pas dangereuse pour la peau, que la Busserolle qui est à l'intérieur n'est pas du tout hyper dosée et autre, comme je le pensais. Je reconnais mes erreurs. Et aussi, elle n'est pas blanchissante, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vous changer votre couleur de peau. Je pense même qu'elle n'est pas clarifiante en tant que telle. Elle est éclaircissante. Elle permet d'estomper les taches et de rendre la peau éclatante. Mais pour voir des résultats vraiment sur l'éclat, il faut vraiment prendre le savon gourmand. Là, vous allez vraiment voir des résultats sur l'éclat, mais waouh! J'avais pas l'impression d'avoir blanchi. Et franchement, ça m'a hydraté bien les phalanges et autres. J'ai pas eu les phalanges qui ont recommencé à noircir. Parce que moi, mes phalanges, dès que j'arrête de bien les hydrater, elles noircissent à nouveau. Non, j'ai pas eu ce souci-là avec. Bref, si je devais donner une note à cette gamme, je donnerais 6 sur 10. Parce que sur l'éclat, elle agit bien. Elle agit vite. Mais par contre, sur les tâches, elle agit un peu plus lentement. Même si j'aurais aimé qu'elle agisse en 3 semaines. Mais je vous assure qu'à partir de la 5e semaine, j'ai commencé vraiment à avoir des effets sur les tâches. Est-ce que les personnes qui veulent arrêter d'utiliser les produits blanchissants peuvent l'utiliser? Non, pas la tautologie. Oui, vous pouvez l'utiliser. Mais ne pensez pas que vous allez garder votre même couleur de peau que quand vous vous blanchissez la peau. Parce que vous dites que cette gamme-là et éclaircissante, non, elle va pas vous faire blanchir la peau, votre peau va noircir, vous allez retrouver votre même couleur de peau d'avant les produits blanchissants justement, mais avec de l'éclat et sans tache. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, n'hésitez pas à écrire en commentaire Candace, ça me fera hyper plaisir. Demain, je vais vous publier une petite vidéo comparaison entre la gamme Candace France et la gamme Candace Afrique, et puis vous m'en verrez comme ça, si vous tombez sur l'une d'elles, vous déciderez de laquelle vous voulez utiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos magnifiques peaux. Gros bisous.